vous présentons une programmation des plus stimulantes. Une conférence principale et 3 ateliers sont proposés aux participants, comme l'an passé. Les membres de la table de concertation de la communauté d'affaires de Vaudreuil-Soulanges sont fiers d'annoncer la tenue du 6e Forum des travailleurs autonomes et micro-entreprises de Vaudreuil-Soulanges le jeudi 23 octobre de 8h à 18h à la salle communautaire Paul-Émile Lépine à Lille-Perrot. Le format de la journée va être sensiblement le même que l'an passé, sauf que évidemment, on a un nouveau conférencier. Notre conférencier principal sera M. Luc Dupont, qui est un expert des communications, qui va venir nous parler des médias sociaux, alors un sujet qui préoccupe grandement nos travailleurs autonomes. Par ailleurs, en cours de journée, les participants pourront prendre part à des ateliers qui sont le leadership présenté par Danny Kirouette, chargé de cours à l'Université du Québec à Montréal, gérer sa croissance sous forme de témoignages avec la famille Villot, du GA Famille Villot, et de la famille Isabelle, de la ferme Isabelle, et développer son expertise en vente, présenté par André Gingras, président de Cadillac Chevrolet Buick GMC de l'Île-Perrot et du West Island. De retour cette année, le Salon pour entrepreneurs accueillera les participants en leur proposant des kiosques de différents organismes et entreprises qui offriront de l'information et des conseils sur leurs produits et services. Finalement, des périodes de réseautage seront proposées afin de donner l'opportunité aux entrepreneurs d'échanger librement entre eux. La journée se conclura d'ailleurs par un catassis réseautage où vin et bouchées seront offerts. Les inscriptions vont se faire dès le début juillet sur notre site Internet, communautédaffaires.com. Ensuite, il y aura des billets à la disposition des gens chez Réseau Emploi Entrepreneurship la semaine prochaine. Donc, ça va être la façon de s'inscrire, mais on peut m'appeler au 450-455-2651 également pour s'inscrire dès maintenant. C'était Caroline Lamarre à Vaudreuil-Dorion pour vaudreuilsoulanges.tv.